grandi en Algérie. À côté d'Oran, Arzeux, Betewa et Kansin. J'ai 6 sœurs et un grand frère. Je suis le dernier. J'ai commencé à jouer, je pense, à 6 ans, dans un club avec des trucs, mais j'ai toujours aimé le football. J'ai joué pieds nus. J'ai joué pieds nus. Voilà, après, je suis parti en France. J'avais 12 ans, j'allais faire 12 ans, donc voilà, après j'ai commencé à jouer. Au début, c'était dur, parce que je quittais mon père, et que j'étais super proche avec lui. J'ai rejoint ma mère. C'était difficile, parce que j'ai eu une enfance difficile un peu. Enfin, quand je suis arrivé en France, mais que ma mère a fait en sorte que je le sente pas, tu vois. Et t'arrives, et en plus, je parlais pas français. Je parlais pas du tout français. Et je devais l'apprendre sur le tas, direct, tu vois. Parce que des fois, ça se moquait de toi, parce que tu parles pas bien français. Et c'était dur. C'était dur, mais je pense que ça m'a forgé, moi, tout ça. Ça m'a aidé mentalement. Tu vois, être plus fort, tu vois, à supporter tout ce qui peut arriver. J'avais mon rêve c'était d'être footballeur, mais j'avais vu que j'avais pas les moyens, j'avais pas d'opportunité, donc j'y croyais, mais pas trop. Mais dès que je suis arrivé à Nice, j'ai appris des choses et c'est ce que je voulais parce que j'ai fait 2 ans stagiaire, je n'étais pas professionnel et j'ai appris beaucoup de choses et c'est là où je pense que j'ai eu ce déclic. J'ai eu des moments durs à Nice et tout, mais ça m'a forgé. Je venais de faire une saison pleine à Châteauroux. En fait, j'avais le choix entre rentrer à Nice, parce que j'étais prêté, ou partir à Brentford. J'avais même pas de réflexion. Dès que je suis arrivé à Londres, à Brentford, je dis, mais ça y est, je veux plus revenir. Moi. Je veux rester ici, c'est bon, je suis de maintenant. Et franchement, ça a été bénéfique pour moi. Et je crois que c'est le meilleur choix de ma vie que j'ai fait. C'est de venir en Angleterre et à Brentford, c'était l'endroit qui me fallait pour le tremplin. Benrahma. Oh my goodness, Benrahma. West Ham, c'est arrivé, j'ai foncé. Je suis très heureux, je suis très content de faire partie de cette équipe, ce club historique. Je suis très très heureux. Je fais ce que j'aime et dans le plus grand championnat du monde. Il y a quoi de mieux? Et tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, jamais j'aurais cru. Ou il y a même... Tu m'aurais dit ça même il y a 3 ans. Je te dis non, arrête de dire n'importe quoi. Va dormir. Tu vois, mais c'est un rêve, moi. Moi, c'est un rêve. Et voilà, c'est un rêve. T'as des sensations. Bon, par exemple, quand je joue en première ligue, j'ai eu une sensation, c'était une fierté. Mais de jouer pour son pays,
c'était... Tu peux pas t'imaginer. Tu vois, on aime le spectacle. Et c'est des vrais amoureux du football. Parce que c'est... Je pense que en Algérie, le football, c'est vraiment... C'est un truc... C'est un grand truc, tu vois. Tu veux pas, mais même chaque fois que j'y vais, tu vois, c'est une fierté, tu vois, tu peux pas, c'est inimaginable, tu vois, c'est incroyable. J'avais fait une promesse à mon père, à son âme, et je sais pas, pour l'instant, je suis content parce que je pense qu'il est fier, tu vois, du moment... Je sais que je rends fier à ma famille, tout ça, je suis heureux.